Ô divin maître, vous êtes un atroce cochon. Cette phrase de Georges Sand, rapportée par Guy d'Emerson, dit à elle seule l'image que la postérité va retenir de François Rabelais, un atroce cochon. Rabelais serait-il obscène C'est toute la question qui nous occupe. La condamnation pour obscénité par la Sorbonne relayée par Calvin forge déjà au XVIe siècle la réception d'un François Rabelais obscène. Rabelais devient alors le symbole de ce Moyen Âge qui n'en finit pas de finir avant cette renaissance des belles lettres. Gargantua se confond alors dans l'imaginaire de la réception avec son auteur. Le gargantuesque Rabelais devient le symbole de ses débauches nourricières et sexuelles. 18 000 vaches et 100 400 pipes de lait, soit 378 000 litres de lait, suffisent à peine à nourrir ce gros bébé. Et voici que déjà sa braguette mesure 16 aunes, c'est-à-dire 20 mètres, et qu'adolescent, ce petit paillard, toujours tâtonné ses gouvernantes, son dessus-dessous, son devant-derrière, Harry Bouriquet. Et commençait à exercer sa braguette, laquelle en chacun jour, ses gouvernantes ornées de beaux bouquets, de beaux rubans, de belles fleurs, de beaux flocards, et passaient leur temps à la faire revenir entre leurs mains, comme la pâte, dedans le mets. puis s'esclaffaient de rire quand elle levait les oreilles, comme si le jeu lui eût plu l'une l'a nommée ma petite dille, l'autre ma pine l'autre ma branche de corail l'autre mon bon don mon bouchon mon vibrequin mon poussoir ma terrière ma petite andouille vermeille ma petite couille bredouille géant gargantua les biens tant son appétit alimentaire comme sexuel sont liés dans la démesure mais c'est surtout notre imagination qui est mise en défaut face à tant d'excès dans la débauche lexicale est présente pour nous empêcher de nous représenter la chose. Et c'est justement sur ce point que je veux en venir. Rabelais constitue en ce sens un scandale, et je me réfère ici à l'excellent ouvrage de Peter Frey sur Rabelais et le scandale de la modernité. Rabelais est un scandale parce qu'il pousse les mots aux limites de l'énonciation, et non parce qu'il représente par le mot la chose. On l'a vu tout à l'heure avec le terme de cas. Pour le dire autrement, Rabelais n'est pas pornographe, il est mythographe. Il ne donne pas à voir la chose crue, il donne à imaginer l'irreprésentable. Il invite surtout à penser. Alors, oui, Rabelais, c'est du vin, de la chair et de la chair, mais c'est aussi des idées. Et ce n'est pas le festival sur les nourritures élémentaires qui me contradira. Rabelais fait un rimé élémentaire, littéraire, mais aussi derrière. Car derrière, les derrières de Rabelais, c'est bien moins de cochonnerie pour reprendre les propos de sonde, dont il sera question que de débat. Car l'obscénité de Rabelais n'est peut-être pas là où on le croit. Certes, Rabelais, on le verra, utilise l'obscène, entendu étymologiquement comme un caenum latin c'est-à-dire de la boue, de la fange, de l'ordure. Pour preuve, son attachement à la scatologie, avec le célèbre passage du torche-cul dans le chapitre 13 de Gargantua. Gargantua a alors 5 ans et Grand Gousier, son père, de retour des Canaries, vient lui rendre visite. Gargantua le renseigne alors sur ses progrès en matière d'hygiène intime. Je le cite. J'ai par longue et curieuse expérience inventé un moyen de me torcher le cul, le plus royal, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient que jamais fut vu. S'ensuit alors une liste de torches-cul. Je vous les passe rapidement en revue parce qu'on pourrait y passer l'après-midi. Donc des vêtements, bonnets, cache-nez, draps, rideaux, oreillers torches-cul végétaux, soges, fenouilles, vignes torche animaux, poules, lièvres, pigeons et même cormorans. Le chapitre s'enrichit même de créations lexicales, pétard, hors pétards, mer douce, esgoustes et d'ambon rondo. En chiant, l'autre sentit la gabelle que à mon cul-doigt, l'odeur fut autre que cul-doigt, J'en fus du tout en puantie, oh, si quelqu'un eût consenti m'amener une que à en doigt en chiant, car je lui eusse assimenti son trou d'urine à mon lourdois, cependant eut avec ses doigts mon trou de merde garanti en chiant. Mais c'est oublier que l'étymologie du mot obscène est complexe et qu'elle peut aussi venir d'un autre terme, obscaïna, qui signifie ce qui est derrière la scène. L'obscénité de Rabelais ne jouerait-elle donc pas en deux temps Kaenum la boule à fange, Kaena, ce qui est derrière la scène. Alors, quels seraient ces deux temps Le premier, eh bien, crée des mots, on l'a dit, qui excèdent les images, rendant alors presque impossible de se représenter la chose. La question est plus qu'intéressante pour nous, lecteurs contemporains, qui avons plus d'images que de mots pour nous représenter justement la chose. Rabelais aujourd'hui, plus encore qu'hier, nous met bien au défi de la représentation, mais aussi de l'imagination. Il nous met ainsi au défi de la littérature. Le deuxième temps, c'est celui de dévoiler par ses derrières ce que la société met justement derrière. C'est tout le jeu du obscena, du hors scène, auquel se livre Rabelais. Il donne à voir ce qui était caché derrière, parce qu'il exhibe, on le sait, des enjeux socio-historiques et politico-religieux latents. C'est par l'obscène qu'il renverse l'ordre établi et qu'il critique, entre autres, les magistrats, les moines religieux, les guerres, les enseignements sclérosés, la médecine. L'obscène lui permet ainsi. De mettre sur la scène littéraire ces enjeux de société latents dans un jeu devant-derrière qui dénonce le réel en l'exhibant par sa face cachée. Cette obscène est bien, chez Rabelais, un testeur de limites pour pousser l'énonciation au maximum de ses possibilités. Elle est, pour reprendre les termes de D.H. Lawrence en 1929, un exercice de lucidité. Comme le rêvait déjà l'amant d'Eddie Chatterley, un jour peut-être, la masse du public voudra regarder les choses en face, faire par elle-même la différence entre la pornographie sournoise et masturbatoire de la presse, du cinéma, de la littérature populaire contemporaine, et la représentation créatrice de la sexualité que l'on trouve chez Bocas, sur les vases grecs ou sur certaines mosaïques pompéiennes, nécessaires à l'exercice de notre lucidité. C'est donc à cet exercice de lucidité auquel sera consacrée cette conférence, en vous invitant bien sûr à toutes les questions que vous souhaiterez poser par la suite. Car Rabelais est l'un de ces derniers héritiers de cette obscène avant l'heure qui ne porte pas encore son nom, et je renvoie à Jean-Christophe qui vous parlera aussi de cette obscène ultérieure. Il s'inscrit en ce sens dans l'héritage du Moyen Âge après... Lui, comme l'énonce Umberto Eco, c'est une rupture, celle d'un XVIe siècle qui entre dans une nouvelle civilisation des mœurs pour reprendre le titre de Norbert Elias. Et c'est dans cette modernité où la pudeur commence à être codifiée et condamnée, dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour aller voir les derrières de Rabelais, à savoir ses obscénités dont il serait l'héritier Je pose la question. Et pour... Lesquels, il sera aussi l'initiateur pour la suite. Alors bienvenue au Moyen Âge. Alors, le Moyen Âge chez Milan, hein, on va chevaucher ces Milan rapidement. Ce qui m'intéresse plutôt est d'aller pointer des images qui vont être des images nourricières pour continuer à filer la métaphore, pour faire l'exercice de notre lucidité puisque c'est ce thème qui va me porter aujourd'hui devant vous pour essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Je n'aurai peut-être pas de réponse, en tout cas je pense surtout ne pas en avoir, mais nous inviter ensemble à regarder les choses en face, c'est cet exercice que je souhaite faire avec les derrière-de-Rabelais, pour bien sûr en miroir nous poser des questions sur nous aujourd'hui, lecteurs et récepteurs de Rabelais. Alors qu'en est-il de ce chaste Moyen-Âge Vous voyez qu'on repart sur ces idées reçues qui mettrait, je, je souligne bien le conditionnel, une feuille devant ce sexe de cette Ève moderne, ou en tout cas médiévale, comme illustre ainsi ce psautier. Alors vous voyez qu'on est tous héritiers de nos clés de lecture, et qu'en même temps, l'obscène nous invite toujours à penser le dispositif. Ici bien sûr, on a une feuille qui est censée cacher le cas, ou censée cacher la chose, mais le regard est directement attiré par cette feuille centrale qui ne demande donc qu'à être dévoilée. Alors, les jambes sont dénudées, vous le voyez ici, c'est-à-dire qu'on cache pour mieux montrer, et tout le décor rempli de feuilles et de fleurs, vous le voyez bien, ne fait bien sûr qu'attirer l'attention sur le centre de l'image. Alors, on va essayer de d'éfeuiller cette dame médiévale et surtout de lever le voile sur ses fausses pudeurs. Car au Moyen Âge, euh, les images que nous considérons nous aujourd'hui, et j'insiste bien là-dessus sur ce nous aujourd'hui, euh, sont pléthores. Elles figurent aussi bien dans les manuscrits religieux et juridiques comme sur les façades des églises, sauf que nous passons à côté sans les voir. Ces images, ces images ont été bien... étudiées par les historiens de l'art, je ferai référence et puis en bibliographie pour ceux qui le souhaitent lors du montage vidéo, vous pourrez retrouver aussi ces références. Alors je regarde, je ne vois pas trop d'enfants dans la salle, jusqu'ici tout va bien parce qu'on va progressivement aller regarder ces images et voici pour la première qui est le psautier Gorlaston, euh, psautier anglais qui date du XIVe siècle qui va représenter ici euh, un homme dans une lettrine, un homme de dos qui va nous montrer simultanément et c'est ce simultanément qui m'intéresse ici à la fois son anus et ses organes génitaux, ses génitoires, comme dirait le texte en ancien français. Alors, s'il s'agit ici d'un recueil de psaumes qui a été rédigé et enluminé en latin dans le Suffolk, en Angleterre, dans les années 1310-1320. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir simultanément, je le disais, ce devant et ce derrière. Et c'est là où réside cette obscénité dans le double dévoilement simultané. On retrouve bien ici l'opposition des registres que l'on connaît déjà chez Rabelais, savant profane. Ici, on le voit, ben, un registre qui s'oppose dans la composition d'un psautier, mais qui joue sur le registre profane, tout en étant un psautier religieux. Alors, savant profane, ce mélange subtil qu'on va retrouver par la suite, mais qui émerge, là encore, dans d'autres enluminures qui sont... Plus qu'intéressante ici, je vous donne à voir le Codex Justinien. Alors ici, on est dans un texte juridique. Hein, je fais là encore écho sur ces cas obscènes qui vont émailler toute cette littérature médiévale. Alors le Codex Justinien, c'est la codification de la loi romaine au départ, qui a été commandée par Justinien au premier siècle, au tout début, pardon, Justinien excusez-moi, au tout début du IVe siècle après Jésus-Christ alors, ce texte, ce codex, a été repris euh, tout au long du moyen âge et enluminé. on voit ici, donc toujours dans la lettrine, un moine qui va être ici, euh, un personnage qui va exhiber là encore euh, son sexe. vous en avez une autre représentation qui va venir par la suite. alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ces textes, ce sont des textes qui sont au fondement du droit canonique et qui vont à la fois accueillir des textes qui peuvent être donc canoniques, patristiques, des textes de loi, mais vous le voyez ici qui vont mêler tout un tas de références profanes qu'on a du mal à élucider dans ces contextes-là. Autre texte de loi, le décret de Gracien avec un commentaire, donc Italie, je pointe puisqu'il a été fait mention de l'Italie précédemment. Alors euh, vous voyez qu'on a de quoi euh, imaginer pas mal de choses pour euh, illustrer euh, le code civil, on tient de bonnes pistes ici puisque c'est comme ça qu'a été lu ce texte pendant très longtemps. Vous voyez ici une femme en train de chevaucher dans la marge euh, ce phallus euh, à tête animale. Donc on est ici toujours dans le droit canon avec ces illustrations qui viennent ponctuer la lecture de ce texte. Alors je pourrais vous en montrer beaucoup, c'est Là aussi, une façon d'illustrer cette nourriture rabelaisienne, où on parle souvent de Rabelais dans la multitude de ses sources, sacrées, profanes, euh, religieuses, canoniques. Donc vous voyez que là encore, eh bien, on est dans cet héritage où nous discriminons les éléments alors qu'ils sont dans ce passé écrits ensemble conjointement et pose bien sûr la question de la réception et du sens pour nous, aujourd'hui contemporains. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, j'illustrerai la série des Modillons obscènes assez rapidement pour vous montrer que ce ne sont pas uniquement des références textuelles ou des enluminures, qu'on les trouve bien entendu, et on en a parlé à midi, c'était le cas pour Tours, vous pouvez le trouver sous la, sur la façade des églises, donc au vu, au dessus de tout le monde. Ces représentations, bien sûr, ne manquent pas de poser la question de la liberté de la représentation des sculpteurs. Face aux prescriptions, aux demandes des commanditaires, à moins que les pouvoirs ecclésiastiques eux-mêmes aient inscrit dans leur cahier des charges, puisque vous voyez, on n'est pas du tout dans l'ordre du graffiti, ça n'a pas pu être fait dans une nuit, pour le dire très clairement, c'est-à-dire que le programme iconographique incluait ce type de représentation comme faisant partie de cahiers des charges. Or, nous, aujourd'hui, le lisons comme des représentations scabreuses qui n'iraient pas avec le cadre dans lequel elles ont été effectuées. On voit bien ici comment le sacré et le profane vont coexister dans les périodes pré-modernes au sein des mêmes dispositifs. Euh, ici, c'est l'église de Sainte-Colombe en Charente. Euh, vous avez ici les crédits. Euh, alors, ce qui est assez intéressant, et c'est plutôt les historiens de l'art qui ont offert quelques pistes hein, qui permettent aussi de questionner différemment notamment jean Wirth, qui est plus que connu, qui signalait justement qu'on pouvait avoir des traces de frottement sur certains saints ou sur certaines parties du décor ecclésiastique, certainement liées à des mythes de la fécondité. Mais vous voyez que là encore, le problème qui semble être résolu de prime abord par rebond ne l'est toujours pas, puisque au sein d'un dispositif catholique est accepté et perpétué une pratique qui va être une pratique plus que profane, c'est-à-dire un culte de la fécondité au sein d'une église. donc là encore, tous ces dispositifs nous mettent face à notre incapacité de répondre à ces interrogations que nous posent ces siècles passés face à nos grilles de lecture toutes faites pour notre siècle présent. alors preuve de cet engouement pour ces représentations phalliques, c'est un signe de pèlerin. Euh, alors, on en a beaucoup sur les façades. Euh, là, vous en avez, j'allais dire, des tonnes et des kilos, enfin plutôt des kilos euh, au musée du Moyen Âge, puisque quand on drague la Seine, on retrouve au fond de la Seine beaucoup d'éléments. Et le musée du Moyen Âge a été appelé pour aller récupérer au sens propre et figurer les cochonneries qui traînaient au fond de la Seine, euh, puisque les pèlerins de retour de Saint-Jacques, comme pour nous quand on va faire un vœu, euh, jetaient dans la Seine, leur emblème de pèlerin, puisqu'ils avaient pu rentrer sains et saufs euh, de leur pèlerinage. Alors, vous voyez que l'image est plutôt éloquente. Euh, alors, c'est une taille de pins, hein, pour que vous compreniez bien, mais si vous allez visiter le musée du Moyen-Âge qui vient d'être refait à Paris, vous la verrez, euh, cette enseigne de pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Vous voyez que là encore, eh bien, on n'est pas dans une représentation genrée, puisque, enfin, sexuée, certes. Mais la question du genre est là aussi problématique pour le Moyen-Âge. On a une vue avec trois phallus. Qu'est-ce que ça raconte La question reste ouverte pour ces pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Je la montre parce qu'elle a été citée tout à l'heure, cette célèbre euh, enluminure du manuscrit du roman de la Rose, roman de la Rose qui n'est pas censée. Poser de gros problèmes d'interprétation entre y a-t-il deux auteurs pour le prix d'un S'agit-il du même auteur qui prend deux noms et qui ne permet pas une lecture univoque du roman de la rose Alors, je laisse hein, ouverte la question, là aussi, de, du sens de lecture de ce roman à clé qu'Umberto Eco a repris euh, avec le nom de la rose, avec ce clin d'œil à l'herméneutique c'est-à-dire comment déchiffrer. Ce qui échappe à notre entendement, mais qui pourtant nous pose des questions, qui nous renvoie à nos propres problématiques. C'est aussi cette œuvre ouverte d'Umberto Eco. Le chef-d'œuvre, c'est celui qui va poser des questions pour la suite et qui est une lecture coparticipative pour les lecteurs. Alors, ici, vous avez le fameux arbre à vie, donc l'arbre à sexe, qui participe lui aussi du jeu texte et contre-texte. Auquel se livre lui-même le roman, du roman de la rose, avec deux lectures allégoriques ou plus matérielles, Jean Demain ou Guillaume de Alors ici, euh, il s'agirait peut-être d'une critique du clergé avec une satire démoniale, ce qu'on peut imaginer, euh, mais l'image a été aussi commentée euh, complètement d'une autre manière, par exemple par Michael Camille, qui considère l'arbre à vie comme l'affirmation du pouvoir des femmes sur le désir masculin. Donc vous voyez, là encore, ces œuvres ouvertes qui nous questionnent et qui nous renvoient à notre propre interprétation. Lire ces œuvres anciennes, c'est pour ça que je suis passée par ce petit détour sur ce derrière de Rabelais, qu'est-ce qu'il y a comme hypothèse, qu'est-ce qu'il y a comme représentation, qu'est-ce qui forge un imaginaire, qu'est-ce qui se retranscrit. Vous le voyez, il y a foison de représentations avec des grilles de lecture hein, qui sont celles de l'auteur et qui vont elles-mêmes donner d'autres façons d'interpréter pour les successeurs dont nous aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de poser cette question de l'œuvre ouverte en disant effectivement chez Rabelais et tous les spécialistes de Rabelais seront d'accord au moins sur une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de lecture univoque de Rabelais. Il y aura des lectures de Rabelais, il y aura des Rabelais. Et là où cette lecture de Rabelais nous invite à nous questionner, c'est dans notre propre inquiétude à ne pas avoir de réponse. C'est ce que j'aimerais pointer aussi avec vous aujourd'hui. Parce que l'obscène, quand on parle de violence de l'obscène, l'obscène peut être violent par le dispositif qu'il met en œuvre il peut provoquer le rire. Gêné ou complice, il peut provoquer l'émoi sexuel, il peut provoquer aussi l'explosion. Euh, l'obscène est un dispositif qui fait éclater ce qui était derrière en mettant en évidence sur la scène ce qui n'était pas aussi évident auparavant. Il donne à voir. Cette violence de l'obscène, des théoriciens américains en ont parlé quand je parlais de testeur des limites, Bundari Tester, euh, comme dispositif permettant de tester la limite de ce qui est encore lisible, encore recevable et encore supportable au sens. On est toujours, et je le rappelle, dans des périodes où on peut, on cette censure-là n'existe pas, où ces condamnations n'existent pas, donc ces grilles de lecture n'ont pas encore été établies et où tout va se passer dans une transmission qui va jouer à la fois d'un cercle d'émission à un cercle de réception. Pour être un peu plus clair, quand j'écris sur un manuscrit, vous voyez que chaque manuscrit, puisqu'il est écrit à la main, va être un exemplaire unique, et que je ne vais pas pouvoir démultiplier mes exemplaires de surcroît. Donc je contrôle plus ou moins ma sphère d'émission et ma sphère de réception. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, on est comme aussi aujourd'hui dans un groupe où on est ensemble autour d'un même objet. C'est-à-dire que ce consentement, pour reprendre une terminologie moderne, elle est là, vous avez quelque part consenti en venant à ce que je vous montre des images obscènes. L'obscène ne vient pas vous chercher alors que vous ne l'attendez pas. Le passage à l'imprimé, comme le passage au numérique, déploie d'autres stratégies et met en tension cette sphère d'émission et cette sphère de réception. Ce qui n'est pas obscène pour les uns, comme nous aujourd'hui, va le devenir pour les autres, puisque vous ne contrôlez plus qui le lit. C'est-à-dire que ce cercle inclusif ne fonctionne plus. Et c'est là tous les enjeux et tous nos parallèles avec cette période de, de bascule dans laquelle est Rabelais et notre période de bascule qui relie en miroir, avec tout l'anachronisme que cela comporte, cette période de bascule et nous met face à nos propres défis. Comment lire en code quand j'ai perdu le code Comment lire encore quand je ne peux plus rire avec Ce sont là toutes les grandes questions qui nous occupent aujourd'hui et qui sont lourdes d'enjeux pour la suite. La question de Charlie Hebdo, je la mets quand même sur le tapis, a été une question plus que signifiante pour ces questions-là. Alors bienvenue dans ce 21e siècle qui nous questionne aussi sur nos enjeux. Alors l'obscénité, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui cette obscénité Je la reconnais quand je la vois. Alors on a souvent recours, et je le répéterai encore une fois, je la reconnais quand je la vois, à cette grille de lecture qui a été forgée euh, par les États-Unis et qui a été très souvent mobilisée pour reconnaître par la subjectivité le marqueur obscène. Alors cette, euh, ce jugement de Stewart sur lequel je reviendrai a été beaucoup mobilisé, vous l'avez peut-être réentendu encore, lors du scandale qui a eu lieu autour de la censure de l'origine du monde de Courbet. Alors, bien sûr, l'origine du monde, c'est le choc esthétique, euh, s'il en est. Euh, et vous allez me dire, cette œuvre... Euh, n'est pas une œuvre du 21e siècle. Je suis en train de vous parler du 21e siècle mais là où on est la date nous le montre bien plus du tout dans ces problématiques là. Mais justement ce qui est intéressant, c'est toujours ce retour de l'histoire et ce retour du refoulé. il y a aussi des choses qui euh, voilà, qui sont écrites et je, je te passerai la main après sur le avant Freud. Ce retour du refoulé dans l'obscène est toujours présent puisque vous voyez que cette œuvre du 19e va largement nous réinquiéter, au XXIe siècle, au moment même où on a l'impression qu'elle s'assagit, puisqu'elle est enfin rentrée au musée. Donc vous voyez qu'il n'y a pas plus sage que de rentrer au musée, puisque le dispositif va permettre d'encadrer cette obscénité qui inquiète. Alors cette huile euh, sur toile de hein, 1866 est emblématique de ce paradoxe justement obscène. L'œuvre est extrêmement célèbre. Je ne pense pas que ce soit la première fois que vous la voyez, mais pourtant, elle a été célèbre depuis pas longtemps. Pardonnez-moi l'expression, elle est célèbre depuis 1995, puisque c'est la première fois qu'elle rentre au musée, et depuis 2007, euh, puisqu'on avait la rétrospective courbée au Grand Palais. Donc vous voyez une actualité plus que récente pour une œuvre ancienne. Alors pour la petite histoire de cette œuvre, c'est euh, Khalil Bey qui était diplomate et collectionneur de nus féminins qui va commander l'œuvre. Et au départ, puisqu'on parlait de dispositif, l'œuvre est placée euh, derrière un rideau initialement ou peut-être derrière un autre tableau de Courbet, euh, le château de Blonay, euh, qui devait donc être retiré, soit le rideau, soit le, le tableau pour pouvoir avoir accès à cette dernière. Oeuvre, vous voyez le jeu sur le derrière qui nous occupe depuis tout à l'heure. Euh, en 1955, et la psychanalyse n'est jamais loin, Lacan va acquérir ce tableau. Je passe un peu sur les aventures du tableau, hein, qui sont un petit peu longues. Et euh, sa femme, Sylvie Bataille, qui est l'ex-compagne de Georges Bataille, va demander à André Masson, qui est le mari de sa sœur. Vous voyez qu'on est dans du cercle très privé. De créer un tableau pour cacher, là encore, l'origine du monde. Donc, on est toujours dans un dispositif qui fait jouer le devant, le derrière, le cercle inclusif familial, hein, copie à caractère privé ou familial, euh, qui permettra d'avoir accès à l'œuvre et puis euh, ceux qui seront devant et qui ne verront pas ceux qui se trouvent bien sûr derrière. Alors. Euh, Là, ce jeu en fait est assez intéressant sur ce devant derrière et vous allez voir qu'il nous ramène à ce Moyen Âge. Euh, C'est Peter Frey qui en parlait justement. Vous pourrez aller peut-être regarder sur euh, cet usage, euh, enfin obsède contemporain à l'usage euh, dont tu parlais tout à l'heure, hein, qui est un accès euh, voilà, sur lequel vous pouvez aller lire sans souci. Euh, Puisqu'on va avoir, euh, Thierry Savatier le rappelait euh, et euh, Peter Farah en parlait aussi, un usage très médiéval en fait, de ce jeu du devant-derrière. Vous vous rappelez certainement les triptyques médiévaux, vous voyez très bien que pour pouvoir avoir accès à la zone centrale, à la zone du milieu, repensez à cette œuvre qu'il va falloir dévoiler il faut bien sûr ouvrir les panneaux latéraux. Donc on a déjà des dispositifs, et y compris des dispositifs religieux qui ne nous permettent pas d'avoir un accès direct à l'œuvre qui va questionner ou à l'œuvre qui est réservée à ceux qui peuvent la comprendre ou au mystère, elle va demander tout un effort de pénétration, un dispositif où il va falloir dévoiler, ouvrir, pour pouvoir avoir accès à cette origine. Alors du monde ou pas, vous pourrez l'entendre de manière profane ou de manière sacrée. Alors, premier point. Le deuxième point sur ce dispositif dans l'origine du monde, et ça a été maintes fois souligné, que ce qui inquiète le plus n'est peut-être pas forcément ce qui est vu, ce qui est montré, mais ce qui inquiète le plus, c'est ce qui manque. C'est-à-dire que ce qui manque ici, c'est la tête. Vous voyez que cette question-là, ce démembrement, a été très riche puisqu'on a cru à un moment donné avoir retrouvé, ça a fait la une de Paris Match, toujours dans les années 2000, on a cru avoir retrouvé la tête, ce qui manquait au corps, enfin, en tout cas, voilà. Euh, mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette tête, bien sûr, pose la question de ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est-à-dire un exercice de lucidité, un exercice de réflexion, mais elle pose surtout, et c'est ce qui m'intéresse, la question du regard. Parce que ce qui est le plus troublant ici, c'est justement le fait que vous soyez dans cette violence-là, face au tableau, mis en position forcée de voyeur, sans aucune réflexivité, sans aucune possibilité d'avoir ce regard qui se retourne vers vous et qui vous interroge. Vous êtes donc les seuls à regarder. Et ce tableau est violent parce qu'il interroge votre imaginaire. C'est qu'est-ce que vous voyez dans ce tableau alors, il y a eu beaucoup euh, de performances hein, qui ont été faites. Ce tableau est assez magique parce que c'est plus qu'une œuvre ouverte. Euh, quand il a été exposé au musée d'Orsay, euh, il y a eu des interviews qui ont été relayées dans les médias sur qu'est-ce que vous pensez du tableau, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce que cela vous fait. Donc, vous voyez que la question de la réflexivité manquante dans ce tableau... A été chaque fois amené, c'est comme s'il fallait ajouter du commentaire à quelque chose qui est posé sans regard et qui ne renvoie en fait qu'à votre propre regard. C'est toujours cette question-là. Mais coup de théâtre, écoute de projecteur, puisque je vous ai bienvenue au 21e siècle, euh, cette œuvre, exposée depuis un peu moins de 20 ans, se voit, passage au numérique dont on vient de parler, mise sous forme numérique, sur un compte, vous le savez, d'un enseignant de français, dont le compte Facebook se voit censuré. Et là, on rebascule sur la dimension juridique, puisque bien sûr, on se retrouve à, face à une censure de ce qui est qualifié de chef-d'œuvre, c'est-à-dire œuvre patrimoniale française, exposée au titre de la liberté artistique, etc., 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 censurée par... Une entreprise américaine. Alors, gros enjeu juridique, puisque bien sûr la France appuie, mais c'est un utilisateur particulier face à une entreprise, mais que derrière, on a quand même un conflit qui va être un conflit France-États-Unis. Vous imaginez bien tout ce qui se joue derrière. Avec tout un tas de rebondissements, la France qui se plaint d'une atteinte à la démocratie. Il y a eu énormément de publications qui ont été faites sur le sujet. Alors l'affaire, vous le voyez, elle est loin d'être anodine. On pourrait considérer que c'est un, un cas parmi d'autres, mais que cette affaire-là a été autant relayée parce qu'elle va poser, là encore, la question de comment considérer cette obscène-là. Est-ce qu'on le considère comme une œuvre patrimoniale, donc muséale, donc protégée Est-ce qu'on le considère comme une atteinte à la morale et donc une incitation à la pornographie sur des formes numériques Donc ce questionnement même par la voie numérique, et l'a encore relayé. Alors, comment juger de cette œuvre si ce n'est à l'aune de sa morale, puisque c'est en tout cas la question qui se pose aujourd'hui comme argument avancé par Facebook pour la censure de l'origine du monde de Courbet Quelle morale mettre en avant On a bien compris sa morale, mais est-ce que ma morale est votre morale C'est la grande question. De plus, la morale est relative, vous le savez, en fonction des époques, en fonction des pays, mais aussi en fonction de sa culture personnelle, familiale, etc. La question de la mise en réseau pose bien sûr cette question de l'uniformisation de la réception et de cette morale en deuxième ligne qui intervient comme jugement et comme réception. Est-ce que l'obscène doit finir là où commence celui de l'autre. Dans cette question, la renégociation de l'espace obscène est centrale dans ces mises en réseau de manière collective de ce patrimoine. Est-ce que l'obscène, depuis Rabelais, a changé de registre Alors, vous voyez bien que oui, et on a aussi du mal en tant que chercheur, c'est la petite parenthèse. Euh, Puisqu'on imagine toujours trouver, par exemple, une forme d'obscène qui n'est pas forcément dans les textes. Pour ma part, j'ai passé deux mois à la Bibliothèque nationale sur des fabliaux, ils sont plus que nombreux, à espérer trouver des positions sexuelles complètement inédites et des, des choses complètement dingues, puisque toute la critique euh, s'ingénie à parler des fabliaux. Comme étant ses œuvres les plus obscènes et morales, à 80 pendant deux mois d'été, vous lisez de la scatologie hein, avec des fabliaux qui s'appellent la crotte, par exemple. Donc vous voyez que parfois, pour un chercheur contemporain, l'obscène n'est pas là où on pense, et il faut aussi revoir ses propres grilles d'analyse et sa propre réception artistique, ses propres goûts artistiques, pour lire euh, une centaine de textes portant sur la scatologie et vous en avez entendu, c'est-à-dire que la scatologie chez Rabelais, héritier ou non du Moyen Âge, mais aussi très fortement présente, on parle souvent de sexualité, sans mentionner qu'il s'agit souvent de scatologie, là aussi. Alors, qu'est-ce que cette obscène comme mise en scène Juger de l'obscène à la lumière de soi, bah, je pense que ça sera rappelé tout du long de cette journée et encore demain, c'est aussi... Euh, Penser qu'il s'agit d'un dispositif. Quel est le dispositif pour faire penser, pour donner à voir, pour exhiber les mécanismes et inviter à la réception Vous voyez que cette obscène qui d'emblée peut paraître sexuelle est aussi politique. Dans ses mécanismes, ce qu'il révèle, c'est aussi ce que la société, on le disait, met aussi derrière, et il nous invite. à à penser notre manière de regarder les choses. Alors, vous l'avez peut-être aussi reconnu, c'est l'œuvre de l'américain McCarthy qui a été érigé euh, place Vendôme pour la FIAC et qui a fait les choux gras de la pièce de, de la presse pardon, en 2014. Euh, alors, McCarthy l'avait appelé le sapin. Ça a été vandalisé le 16 octobre 2014 euh, parce qu'il était lu comme étant un plug anal. Vous voyez là encore, c'est toujours intéressant de poser l'irréductibilité de cette lecture avec la violence, par contre, le dispositif, cette érection, puisque ça a été aussi les termes employés par la presse, euh, place Vendôme, donc un lieu symbolique aussi. Donc là encore, comment ces mécanismes Révèlent, mettent à jour, font jouer des choses qui étaient plus souterraines. Alors celle-ci, vous l'avez euh, jamais vue. Euh, c'est normal parce qu'elle a été censurée par Facebook. Alors c'est un combo assez simple une chanteuse australienne, kylie Minogue, euh, avec dans sa main gauche, enfin sa main droite, pardon, un micro dans sa main gauche, euh, une peluche. Sauf que micro plus peluche. Plus plus mauvais angle photographique, j'en appelle à celui qui filme. Voilà, je fais attention avec mon micro. Euh, ça donne une image censurée. Alors, euh, Rabelais et nous, parce que c'est cette question-là que bien sûr nous, Rabelais nous renvoie aujourd'hui, euh, que peut nous apprendre l'obscénité de Rabelais J'allais dire moins sur elle-même que sur nous-mêmes. C'est ce qui est plutôt intéressant, à mon sens. Je la reconnais quand je la vois. C'est toujours la même citation de 60 cas devant la Cour suprême des États-Unis par le juge Stewart qui a donné lieu à ce qu'on connaît aujourd'hui. L'obscène, c'est un exercice qui est difficile euh, parce que c'est un opérateur de conscience qui engage à cette question de la lucidité, qui n'est pas très simple dans un monde complexe. Euh, Outils, vous l'imaginez bien, dont on a plus que besoin dans ce monde actuel pour penser, se vivre ensemble puisque c'est ce que cette obscène fait aussi éclater. Rabelais, déjà en son temps, était un dénonciateur des visions, des visions univoques qu'il s'amusait à brouiller, à démultiplier, à rendre équivoques, pour que le sens ne soit pas donné de manière simple, lisible, directe, parce que sinon on tombe dans une idéologie. Rabelais est tout sauf un idéologue. Donc ce brouillage qui est propre, à l'obscène, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'on a vu, on ne sait pas trop ce qu'il faut en comprendre, eh bien, c'est aussi une invitation salutaire de Rabelais à suspendre le temps. C'est ce que vous avez fait aussi aujourd'hui et que vous ferez demain et toute cette semaine. Suspendre le temps pour suspendre le jugement. Peut-être que je ne sais pas. Et ici, si j'acceptais justement de ne pas savoir. Cette zone-là est la plus intéressante à aller explorer. Parce qu'elle permet d'avoir le courage de regarder le monde en face. Je n'ai pas la clé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suspends un temps mon jugement. Ça donne aussi du plaisir à être ensemble pour se repaître de bons mots et de bons vins. L'obscène, c'est ce qui nous réunit aussi. Alors je laisserai à Rabelais ces derniers mots, au sens propre, parce que c'est la conclusion du quart livre, donc ce sont littéralement. Ces derniers mots aussi, qui sonnent de manière testamentaire. « Dites-vous, répondit Panurge, que j'ai peur, pas maille. Je suis par la vertu Dieu plus courageux que si j'eusse autant de mouches avalées qu'il en est mis en pâté dans Paris, depuis la fête Saint-Jean jusqu'à la Toussaint. Ah ah ouais, que diable est ceci Appelez-vous ceci foire, brin, crotte, merde, fiant, déjection, matière spirate. C'est, crois-je... Safran d'Hibernie, ho 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 hi, c'est Safran d'Hibernie, cela, buvons. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants et je vous remercie. Merci beaucoup Nelly pour cette magnifique conférence illustrée de mille choses dont je ne peux pas dire le nom. Et je te remercie particulièrement d'avoir fait référence aux travaux de Michael Camille, qui est évidemment quelqu'un d'important pour penser ces questions-là. Et d'avoir montré ce qui, est, ce qui est connu un peu des sézénistes quand même que, que ces représentations obscènes que l'on trouve dans les églises sont dans les églises et qu'elles n'y sont pas par hasard ou qu'elles n'y sont pas contre un programme quelconque qu'elles ne viennent pas faire de la résistance à quoi que ce soit mais qu'elles y sont parce qu'elles ont voulu parce qu'on a voulu qu'elles soient là et alors que bien souvent encore dans les visites quand vous faites des visites dans des dans des monuments français on vous explique que c'est une condamnation ferme de la luxure Ouais. C'est difficile de penser que c'est une condamnation quand on vous le montre comme ça. Euh, voilà. Donc merci beaucoup pour, ces, pour cette magnifique conférence. J'imagine qu'il y aura des questions et je cède donc la, la parole à, à l'Assemblée. Des questions qui peuvent porter sur le Moyen Âge ou sur l'époque actuelle, hein, bien entendu. Allez, Olivier, tu ouvres le bal. Hein. Merci, c'était formidable. Moi, je reviens notamment à l'illustration du codex. J'étais évidemment très content de voir droit et sexualité en même temps, bien sûr. Euh, selon toi, quel est le mode de lecture qui est requis Je veux dire, par là, est-ce que ces images ou ces, disons, ces dispositifs doivent être lus séparément ou en même temps, en anamorphose enfin, Comment ça, qu'est-ce qui est programmé, d'une certaine façon Vaste question Exactement, et qui nous renvoie là encore à nos incapacités de connaître. C'est un peu comme pour Chartres, hein, c'est le labyrinthe. Tu penses qu'il faut le lire de telle sorte. Ce qui est intéressant dans ce que tu soulèves, c'est la question du dispositif. Parce que comment le lire Mais le dispositif peut nous inviter déjà à un parcours. Je pense en particulier... Euh, par exemple, au plafond peint qu'on va avoir à la fin du Moyen Âge et au début du XVIe et euh, Montaigne. Enfin, voilà, par la suite, ça va se développer, où on a retrouvé vraiment par hasard. Et je lance un peu euh, un avis à tous ceux qui auraient des propriétés euh, du côté de euh, Béziers, Pézenas etc., etc. Attention, quand vous démontez un parquet, parce que dessous, euh, il y a euh, peut-être euh, des plafonds obscènes peints. Qui date de cette fin du Moyen Âge. Donc, euh, on a perdu beaucoup de matériel. Et ce qui est très intéressant, là encore, c'est que dans cette déambulation, nous, on a l'habitude, je dis nous contemporains, de lire l'obscène, bah, soit sur un support qu'on va mettre à plat. D'ailleurs, les pratiques de lecture n'étaient certainement pas à plat comme on le faisait euh, directement sur la table, etc. Enfin, voilà, on aura un support qui est déjà un peu incliné avec une autre spatialisation. Ou bien vous voyez qu'il va falloir lever les yeux. Mais l'obscène, on le lit rarement euh, comme ceci. Et justement, en changeant sa propre perspective de lecture, sa propre dimension, ça change aussi le sens de lecture. Qu'on peut ne plus lire du tout de la même manière. Et ça va guider aussi ses pas. C'est pour ça que je rebondis sur cette question du corps. Parce que l'obscène, il met en jeu celui qui va être co-responsable de la lecture. Je peux prévoir un dispositif. Mais si celui qui lit ou qui regarde ne l'actualise pas, ça fait un gros flop. C'est-à-dire que l'obscène ne va pas marcher. Si j'ai prévu un rideau et que tu ne l'ouvres pas, il bah, n'y a pas d'obscène. Ou un tableau et si on ne fait pas circuler, ça ne s'actualise pas. Donc il y a une co-responsabilité et qui s'accompagne souvent, d'où le fait qu'on parle des feuillages, peut-être ce soir, quelque chose qui s'accompagne dans le corps. Puisque on est aussi dans faire corps avec. Hein. Il y a une société qui s'établit de ceux qui partagent les mêmes valeurs, ou en tout cas qui rient ou qui communient autour de cette obscène, j'allais dire, obscène inclusif. Pour répondre un peu plus en détail à ta question, c'est une anecdote que je racontais à midi. Euh quand on était en train de finaliser le livre Obscène Moyen-Âge, on était en Suisse, donc chez mon collègue Peter Frey, et on a été appelé, ce n'était pas du tout prévu, pour, par une équipe euh, qui numérisait des manuscrits, donc l'équivalent du CNRS pour eux, pendant qu'on était là-bas. Euh, et ils étaient en train de numériser, et par le plus grand des hasards, euh, ils se sont rendus compte, avec une sorte de lumière rasante, parce que le, le soir déclinait, que dans le papier, il y avait une trace bizarre. Vous voyez, comme quand on écrit, mais qu'on appuie, ça fait un décalque comme ceci dans le papier. Mais le plus grand des hasards. Ils étaient en train de numériser un évangéliaire, donc des évangiles du IXe siècle. Euh, et ce qu'ils ont découvert, en regardant un peu plus attentivement pendant qu'ils numérisaient, c'est ce qu'on appelle poliment un Christ cytiphalique en histoire de l'art. Ce qu'on n'appelle pas poliment, c'est un Christ avec un énorme sexe qui arrive jusqu'au genou, en croix, avec un pagne et tout qui sort jusqu'ici. Donc, ils en ont en profité, vu qu'on n'était pas très très loin, pour nous demander de les aider à comprendre ce qui se passait sur ce manuscrit donc, euh, du 9e siècle. On a mis à peu près deux ans à pouvoir avoir les autorisations, dater le papier, l'encre, savoir qu'est-ce qui avait été fait d'abord. Est-ce qu'on avait par exemple un parchemin ou aurait été décalqué, fait exprès ou pas fait exprès en Christ est-ce que le texte aurait été copié après Est-ce que ça a été fait après Est-ce que bon Bilan des courses la spécialiste belge qui est allée chez les Suisses pour pouvoir euh, voilà examiner tout ça, avec qui se demande de subventions. On est arrivé au résultat. Tu vois, c'est très déceptif, hein. Tout ça pour te dire qu'on n'a rien trouvé. Euh, voilà, euh, que c'est donc un texte qui aurait été gratté. On ne sait pas trop comment, au XIe siècle, en tout cas, par la pointe du stylet sur un évangéliaire du 9e, est-ce on nous parlait de la généalogie du Christ, c'est-à-dire des enfants de la filiation du Christ par ses génitoires surabondants Est-ce que c'était une caricature, puisqu'il y a aussi des évangiles apocryphes, est-ce que le Christ aurait eu des enfants est-ce que euh, c'était un graffiti fait par hasard parce que je m'ennuie pendant que je copie en texte au Moyen-Âge et je dessine, voilà, immense, voilà. Donc on en est là, on a été à la fois très déçus, mais c'est comme quand on ouvre un coffre ou quand on ouvre un cadeau, euh, ce qui est plus intéressant, c'était l'intention. On s'est dit que c'était chouette, qu'on a vu de la chance, malgré toute notre énergie déployée, de ne pas savoir in fine ce que ça voulait dire. Donc avis à la population, vous voyez, tout reste à défricher. Et juste pour conclure, pour l'anecdote, depuis, ma collègue qui a été envoyée, euh, qui est Tania Van Emelric, euh, raconte que euh, lorsqu'elle va dans les bibliothèques, elle y va le plus souvent assez tard. Donc les collègues pensent qu'elle ne fiche vraiment rien. Elle n'est pas au, au CNRS, elle est au FNRS. Et elle demande plein de manuscrits et elle, elle marche comme ça. <laughs> voilà. voilà. Comment se fait une réputation d'universitaire hein Merci à toi. Si, euh, merci beaucoup pour cette superbe conférence. Alors, deux, deux questions. D'abord, euh, ce type de, de codex euh, ou d'évangéliaire, euh, la lecture se faisait euh, en tout petit comité Je veux dire, ça ne circulait pas Ou est-ce que ça pouvait circuler euh, d'abbaye en abbaye ou euh, de siège épiscopal en siège épiscopal et donc euh, avec tout de même une lecture plus vaste qu'au euh, sein uniquement de la communauté, il n'est même pas sûr qu'au sein de la communauté, tout le monde ait accès à euh, ces, ces manuscrits. Et la deuxième question, euh, est-ce qu'il euh, y a tout de même derrière euh, un, un héritage de, de, de la céramique euh, grecque, de la sculpture grecque euh, ou euh, voir euh, Romane, euh, où euh, l'itiphalique est tout de même euh, plus que présent. Merci pour votre question. Alors pour et pour euh, l'héritage, euh, ça peut être euh, creusé pour ces questions-là, puisque euh, cet héritage-là se, se fait moins de, de manière euh, directe. On, on va passer plutôt, euh, si je pense à des enluminures ou à des miniatures, hein, je, je repense à... Amical Camille, Camille aussi, il y a des agents virtes. Cette question de l'héritage de va plutôt se faire par des êtres hybrides, l'héritage antique, dans les miniatures des manuscrits. Donc on va avoir par exemple un animal qui va être mis quelque chose, mis quelque chose. On a souvent un, un animal à bec long. Qui va pratiquer une sodomie sur un autre personnage qui est à côté. Vous voyez, ça va être plutôt sur ces êtres hybrides dont on va hériter. Dans euh, un héritage un peu mythologique et qui va euh, passer euh, par la conception qu'on va avoir au Moyen-Âge, euh, dans les bestiaires notamment, euh, sur l'existence d'animaux pouvant avoir des natures hybrides. Voilà. Mais moins directement, comme D.H. Laurence pour répondre par cette voie-là. La question que vous posez est très juste et c'est vraiment le cœur du sujet, cette traçabilité, euh, sur qui enluminait, qui payait, qui commandait, qui écrivait. Alors ce qui est intéressant, on n'a pas toujours les réponses, enfin pas souvent les réponses, euh, mais c'était aussi le sens de la question que je posais sur comment est-ce qu'on peut tracer des réseaux de lecteurs. Euh, notamment, on va avoir le POGE, donc en Italie. Euh, Puisqu'on va avoir une grosse veine qui va se développer euh, plutôt 15e et ensuite 16e siècle, parce que ce qu'on va voir dans l'évolution, je dis beaucoup de choses, excusez-moi, il voilà, y a beaucoup de matière, vous me direz si j'ai trop dévié, mais euh, en fait, au 15e et surtout au 16e siècle, va se pratiquer un obscène très dur et même euh, avec une terminologie qu'on ne va pas du tout avoir avant, c'est-à-dire que les mots. Euh, euh, prémodernes sont plutôt pauvres on va avoir con, vie euh, pff, faire la chose, enfin des euphémismes on n'a pas beaucoup de lexique ils sont pas très 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 inventifs, être chaude sur le potage dans les son nouvelles nouvelles, enfin vous voyez bon, on a des expressions comme cela mais on va avoir écrit en langue savante au XVIe siècle par exemple des poèmes qui ont ouais, d'une obscénité donc le passage j'allais dire d'une obscénité pour tous pour le faire vite, voilà va être une obscénité qui va subgrader avec un langage que seuls les Happy Few qui parlent latin euh, vont pouvoir euh, lire. Puisqu'on démocratisation, mais réserve pour les élites. Donc ça, on sait que c'est des marqueurs. Cette question de la traçabilité du cercle, elle est importante parce qu'elle permet de voir des zones aussi de lecteurs et donc de circulation des textes. La question de la formation aussi. Des gens qui écrivent et qui lisent est importante. Euh, pour le redire vite, au départ, on va avoir plutôt des abbayes et des copistes, mais très rapidement, on a euh, la COREP, hein, c'est-à-dire euh, à partir du 13e, 14e, vous avez le copiste installé en ville et vous allez pouvoir lui donner le texte et puis vous allez pouvoir avoir l'enluminure qui va avec. Donc vous décidez aussi de vos programmes iconographiques. On va avoir aussi des lecteurs qui vont se multiplier. On pense. C'est toujours notre idée reçue qu'au Moyen-Âge, les gens ne lisent pas et que c'est réservé à des élites. Ça va se démocratiser de plus en plus, d'où l'imprimerie. Si l'imprimerie apparaît, c'est parce qu'en en fait, on a des gens qui ont envie d'avoir des livres encore moins chers. Ce n'est pas une technologie qui vient. Donc, en fait, on va avoir un faisceau plutôt complexe, où on va se rendre compte que oui, effectivement, au départ, on est sur des circulations qui sont réservées à des gens qui ont fait les mêmes études, entre guillemets, des élites aux mêmes endroits. On le sait notamment pour le 14e c'est tout le cas de la basoche. Vous aviez travaillé sur la farce l'an dernier. Ben, on sait que les, les mecs, ils sont des copains de la Sorbonne. Ils vont se retrouver à aller boire des godets euh, dans la rue de la Soif de l'époque, qui va être le quartier latin, puisqu'on y parle latin, euh, voilà, puisque c'est les Erasmus, et que certains sont employés au Parlement. Donc, euh, c'est les énarques, entre guillemets, de l'époque. Euh, euh, voilà, Et puis, les autres, ils vont être profs pas loin. Donc, vous voyez qu'on a un cercle euh, qui se moque, qui, qui fait la satire, mais avec des textes qui vont aussi circuler. Donc, qui peuvent être des pièces de théâtre, mais qui peuvent être des satires, par exemple Fauvel, on peut se poser la question de qui se moque-t-on Est-ce qu'on se moque du pouvoir Religieux, politique, etc. etc. Donc, pas de réponse, mais plein d'éléments pour suivre ces textes dans leur circulation. Après, au XVIe, on aura plutôt les catalogues de bibliothèques, et XVIIe et autres. Alors on pourra retracer, mais ce qui est beaucoup plus rare. Euh, voilà. Sébastien, on peut en reparler après en aparté pour des choses plus. Euh... On m'a dit que j'avais le temps pour les questions et les réponses, hein, c'est pour ça. Mais par contre, tu me fais signe quand, euh, quand je prends trop le temps. Non, bon. Ça va euh, Merci beaucoup, Nelly. Deux petites remarques. Alors déjà, je, je, je renvoie toujours, parce que c'est un livre qui, qui maintenant, je ne sais plus s'il est encore imprimé, mais pour tout, tout ce qui ce qu regarde ces motifs obscènes des églises, Le Gagnebel bel Art profane et religion populaire, c'est un livre qui a fait date et qui reste extraordinaire. Euh, pour l'origine du monde, euh, ce qui est important aussi de, de, de savoir, et c'est lié à la réception un petit peu obscène que L'on a fait de, de ce tableau, c'est que Courbet, on le, on le sait, ça va être exposé dans une exposition, conservait des photographies pornographiques, euh, Belloc et d'autres, qui ont été des sources d'inspiration. Donc le cadrage du tableau euh, participe, c'est pas simplement à ce qui montre un, un sexe, c'est que le, le cadrage imitait déjà des photos qui, elles, étaient clairement pornographiques. Et pour revenir euh, et pour longer la, la discussion, euh, au-delà de la circulation, je ne sais pas si on a des éléments sur la, la commande qu'il aurait pu avoir de ces motifs euh, obscènes à l'intérieur des manuscrits. Parce que dans, dans ton exposé, à un moment, tu as opposé justement le, le temps du manuscrit avec l'individualisation de l'objet manuscrit et le temps de Mais euh, par exemple, j'ai une doctorante qui travaille sur les éditions de Thérèse Philosophe, qui est un roman pornographique qui mélange pornographie et, et, et philosophie et euh, l'un des apports, de, de, euh, l'un des éléments qu'elle a découvert c'est que euh, parmi les quarantaines d'exemplaires qu'elle a identifiés pour le XVIIIe siècle il n'y en a pratiquement pas un semblable à l'autre. C'est-à-dire que pour ces ouvrages pornographiques qui se vendaient euh, euh, sous le manteau, les, les propriétaires S'arrangeait pour avoir une individualisation, donc il rajoutait une gravure. Et donc la présence de ces motifs pose la question de savoir est-ce qu'il y avait une demande justement de personnalisation de l'exemplaire par le propriétaire. Merci de me permettre de rebondir, Jean-Christophe. Euh, sur cette question-là, euh, parce que c'est la question du volume euh, auquel tu avais participé, donc euh, voilà, et qui en anglais, alors c'est un volume un peu plus compliqué, euh, qui essaie de saisir le moment du passage du manuscrit à l'imprimé pour comprendre ce qu'il se passe. Ou bien sûr, quand il euh, y a un manuscrit, euh, on va avoir des images euh, qui vont être réalisées euh, à la main pour le manuscrit. Avec un programme iconographique particulier, mais on va aussi pouvoir passer par ce qu'on appelle des bois gravés, qui, euh, qui est l'étape avant l'imprimerie. Euh, et on se rend compte que dans ces bois gravés, il y a des remplois, c'est-à-dire que bah, vous allez, c'est comme euh, quand vous allez faire des tampons, quoi. Euh, vous allez les remployer dans des œuvres qui n'ont peut-être même pas un sens dit obscène en termes textuels. Et que parfois on va enlever des éléments du bois gravé pour que ça colle plus ou moins à l'histoire. Euh, là où c'est intéressant, c'est d'observer en fait, notamment le passage d'œuvres où clairement le programme iconographique le demande, comme le Roman de la Rose. Vous voyez bien qu'il n'y euh, a pas beaucoup de textes du Moyen Âge qui vont parler d'un arbre dans lequel va pousser euh, des sexes masculins. Bon. Euh, alors, on a des textes latins, on a le Lydia ou qui va perturber la vision. On peut avoir des arbres magiques, c'est un motif qu'on a déjà, mais qui est détourné ici dans le Roman de la Rose avec un arbre dans lequel on peut aller cueillir des sexes masculins. C'est un peu le, le high level de l'imagination de cette obscène, puisqu'on parlait d'imagination. Donc, cette enluminure que vous venez de voir ne peut aller que avec le Roman de la Rose. Et si on la retrouvé ailleurs, puisqu'on on a aussi des réminiscences de, ce, de cette œuvre-là. Elle signale dans les cercles de lecteurs que, tiens, je te parle d'un truc, mais tu vois bien qu'il y a un arbre dans lequel il y a par exemple un truc bizarre, notamment une poire, puisqu'il y a aussi une tradition avec les poires. Bingo, peut-être que ce texte qui a l'air anodin peut être lu comme un texte obscène, parce que dedans, j'ai un élément qui renvoie à la célèbre image que tout le monde reconnaît comme étant l'image de l'arbre à vie, qui bien sûr est une image obscène, qui encode un type de lecture satirique. Donc l'œuvre que tu es en train de lire, c'est une œuvre qu'il faut lire au deuxième degré de manière satirique. Alors pour continuer sur ce que tu disais, effectivement, quand on va commencer à avoir une production de masse avec l'imprimerie, on va réutiliser des bois gravés. Mais là encore, ce qui va être intéressant, et on l'a déjà euh, au milieu du XVIe siècle, c'est comment on va commencer à avoir des demandes particulières, où on va notamment avoir des bois gravés qui vont pas arriver au même endroit, par exemple. Euh, c'est assez intéressant aussi. Où on va pouvoir hybrider de l'imprimer, mais il y aura quelques éléments manuscrits. Où on va inverser euh, des éléments. Et donc vous voyez, c'est pour les Happy Few. Il y a ceux qui comprendront qu'ils ont une œuvre pas comme les autres et les quelques possesseurs qui auront la différence, constituent bah c'est les débuts aussi des bibliothèques et qui pose la question dès la fin du Moyen-Âge de l'éditeur parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé Vérard commence à se faire une spécialité euh, il va éditer euh, des textes qui sont des textes euh, classiques donc on va avoir notamment du Décameron les 100 nouvelles nouvelles dont il a été question avec cet écossais qui est un cas qui, euh, un Écossais qui s'est travesti pendant 26 ans euh, sous forme de lavandière. Et l'histoire raconte comment on va le déshabiller pour montrer ce cas sur la place publique, c'est-à-dire son sexe. C'est bien un homme et il a couché avec la moitié de la ville. Donc, en fait, là, quand on va reprendre des œuvres anciennes chez Vérard, Vérard va forcer le trait, va les rendre encore plus obscènes et va mettre des images parce que ça lui permet de se lancer en tant qu'éditeur. Éditeur à la fois, j'édite des œuvres d'avant, pas très intéressantes, mais j'édite des œuvres qui sont un peu des œuvres sulfureuses du Moyen-Âge. Donc vous voyez là aussi c'est intéressant parce que c'est presque concomitant, c'est déjà un éditeur mais de la fin du Moyen-Âge et on a déjà cette promotion publicitaire que va faire l'obscène, le sexe, ça fait vendre. Hein. C'est toujours la même chose. Et pour cette question, tu as raison de le dire pour courber, euh, effectivement, sur cette question photographique. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'huile sur, sur toile, mais merci de m'avoir retendu la perche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir justement un dispositif ancien, classique, noble, l'huile sur toile, euh, pour quelque chose qui est trivial et qui pourrait être sur un autre dispositif. Donc, c'est là encore ces questions de pour quel public. Vous voyez très bien qu'on a un public savant qui va demander un truc à l'ancienne mais sur quelque chose qui est sur le nouveau média donc cette transmédialité pour le dire autrement c'est celle qui nous questionne aussi aujourd'hui avec ce numérique où est-ce qu'on va trouver de l'obscène aujourd'hui et si on le voit de manière évidente c'est que c'est peut-être pas de l'obscène c'est que c'est peut-être de la pornographie de etc etc je laisse ouvert Pardon, excusez-moi. J'ai été frappé par le, le fait que euh, dans, ces, dans ce que vous avez présenté, il y a absolument toutes, toutes les euh, étapes de cette euh, monstration. Alors, il y a une monstration de limitation. Hein, vous avez très bien évoqué les agnoto phalliques. Euh, euh, voilà. Il y a aussi ce qui est de l'ordre de la fécondité. Le moine, là, euh, c'est un ensemenceur. Quoi, <laughs> avec, euh, on a vraiment l'impression qu'il ensemence le texte. C'est prodigieux. Et euh, la euh, vignette pré précédente, c'est très curieux, ce, ce, ce personnage. Je sais pas si c'est un moine ou un paysan, euh, dont le scrotum est crucifié. Donc là, on est vraiment dans la version, dans la subversion et, et, et c'est extrêmement riche de sens. Donc, il me semble que cette concomitance d'intention est très riche, finalement, euh, d'espérance pour l'avenir de l'humanité. Voilà, je vous remercie. Merci, c'est vraiment le sens dessus-dessous que vous pointez. Merci. Et Jean-Christophe me parlait dans la voiture d'Orlan. Je te rends euh, sur l'origine de la guerre. Tu pourras en parler. L'origine du monde faite par un artiste qui, qui s'appelle. Ah, ok. Alors, en fait, il s'agit de l'origine du monde de Courbet. Et, et à la place du, du sexe, il y a une, une oreille. Voilà. Donc, euh, je, je vais vous la faire passer si vous voulez. Mais euh, donc c'est un artiste qui s'appelle Samian Kramer et ça s'appelle l'oreille de Lacan voilà. merci je vais passer du coup. merci